Salut tout le monde, c'est AlioTutHD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très originale parce que je vais vous présenter les joueurs 75 de général les plus intéressants sur FUT16. On commence avec Skishna qui a 5 doigts de geste technique et qui joue en Serie A. Il est hollandais, j'ai hâte de le tester ce joueur là particulièrement. Ensuite Kavanda, latéral droit très rapide. Il est belge, il joue en Super League si je dis pas de bêtises. Il sera très intéressant dans ce jeu. Ensuite les gars, Kolasinac, un défenseur gauche de la Bundesliga, très physique. C'est pour ça que je l'ai mis, 85 de physique, c'est rare pour un défenseur gauche franchement. Ensuite Aoussaoui, un défenseur central de la LG League, c'est de l'Arabie Saoudite si vous voyez ce que je voulais dire. Il est très physique, il est rapide, le seul bémol c'est qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est pas facile de caler. Ensuite Kouyaté les gars, Kouyaté 87 de physique, il joue en BPL, je dis tout, j'ai rien. En plus il a les 76 de vitesse qui font très plaisir. Alors ensuite on passe à un petit Marseillais, Diaby, qui vient de signer lors du dernier mercato. Il a toutes les stats supérieures à 70 et il est français, c'est parfait pour un milieu défensif. Ensuite Inks, qui joue à Liverpool, qui est un club que j'apprécie particulièrement. Avec ses 86 de vitesse et ses 66 de dribble, il a des stats nettement supérieures à une note de 75. Ensuite un autre joueur du Liverpool, voilà, Kane, qui a des stats similaires à celles de Diaby, à part qu'il a un tir un peu moins bon, mais bon, il sera très bon sur ce jeu. J'ai trop bon, c'est pas grave. Ensuite on passe à Rikic, un joueur de l'OM qui sera pas cher à mon avis parce qu'il est non rare. Hein, je dis rien d'officiel les gars. Et on finit avec Nacho, le Chipramos pour moi, puisqu'il est espagnol, il joue au Real Madrid et il a des stats très très bonnes. Donc c'était AlioTutHD, prenez soin de vous, bye tout le monde.